Coucou YouTube. Alors, aujourd'hui, je vais te présenter donc le petit oracle des guidances étoilées qui a été créé par Karelia Mena, qui est psychologue et auteure de ce petit oracle. Elle a deux chaînes YouTube. Je te mettrai toutes les infos nécessaires en barre d'informations, justement. Et donc, elle a créé ce petit oracle de 55 cartes. Sur le développement personnel qui permet de recevoir chaque jour un message pour avancer plus en adéquation, disons, avec notre quête spirituelle. Donc je vais te présenter les cartes et on se retrouve tout de suite après pour recevoir un petit message, si tu le souhaites, de cet oracle. À tout de suite. Et donc voici donc pour la présentation des cartes de ce petit oracle. Donc maintenant je vais piger deux cartes et tu vas pouvoir recevoir un message si tu le souhaites. Donc après pour revenir quelques instants sur cet oracle pour te donner mon avis personnel, je trouve que c'est un petit oracle très sympathique et qui nous permet de recevoir quotidiennement des messages et qui peut donc nous avancer. Nous permettre de faciliter notre quête spirituelle et recevoir des messages relativement intéressants et qui peuvent t'amener pour certains à la réflexion. Voilà. Alors c'est un oracle à la base, comme elle le dit, qu'elle a créé pour ses enfants, pour qu'ils aient quelque chose lorsqu'elle ne sera plus sur ce plan terrestre. Et comme elle le dit elle-même aussi, elle aurait aimé avoir ce type de message plus tôt. Voilà. Alors, donc tu vas pouvoir choisir entre soit ce personnage féminin en pain d'épices, donc tu choisis soit le petit personnage en pain d'épices, voilà, ou sinon ce petit personnage
à tendance masculin en pain d'épices. Voilà. Donc je te laisse choisir. N'hésite pas à faire pause. De toute façon, tu n'as pas à réfléchir. C'est féminin ou masculin. Voilà. Alors on y va. Pour le personnage féminin, on va prendre celui-ci. Et pour le personnage masculin, celui-là. Alors pour les personnes qui ont choisi le personnage féminin, nous avons la carte du pouvoir du présent. Vivre le moment présent est un cadeau. Connecte-toi à cet instant précis, à tes sensations, à tes ressentis, à tes émotions, avec tous tes sens en éveil. Sois là, tout simplement. Très beau message. C'est vrai que c'est très important de profiter de l'instant présent, et pas à hier ou à demain, mais juste maintenant. Et pour les personnes qui ont choisi le personnage masculin, vous avez la carte de la vulnérabilité. Autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourrais-tu le trouver? Eh oui, il est parfois nécessaire de mettre son ego de côté. On est tous humains, on a tous des cassures, des casseroles, des démons à combattre pour certains. Je trouve que voilà, c'est un très beau message également. Bon, et bien voilà. C'était pour la présentation de ce petit oracle des guidances étoilées de Karelia Mena. Je t'ai pas dit, il a été produit aux éditions Contredire. Voilà. Je te souhaite plein de belles choses. Et bien évidemment, de passer de très belles fêtes de fin d'année 2020 et de profiter de la présence de tes proches. Et accessoirement du moment présent quand même. Allez, voilà. Prends soin de toi. À bientôt. Bisous.